Ok, j'ai fini de plier mon habergement de cheminée. Donc, à la sortie de l'atelier, comment il se présente? Donc là, on a le derrière. Voilà, le derrière avec des grands relevés, une pince en haut ouverte. Voilà, des deux côtés. Mes petites pinces de couloir qui sont prêtes. Derrière, donc sous la tuile, il va avoir une pince de 2 cm que je laisse très ouverte. Voilà. Là, on a le devant. Donc le devant, même principe, avec des grands relevés sur les côtés, des pinces. Les pinces sont prêtes sous les couloirs. Voilà, j'ai préparé mes relevés de coquilles déjà. Voilà. J'ai laissé un petit espace pour souder les petits goussets. Voilà. Ensuite, on a les couloirs. Donc les couloirs, pareil, hein. Relevés sous la tuile avec une pince bien ouverte. Relevé de cheminée. Bon là, il est assez grand le relevé de cheminée. Il y a 17 cm, tout simplement parce que la maçonnerie derrière, elle n'est pas très belle à ce niveau-là. Et je voulais arriver à un niveau où la maçonnerie est assez belle pour pouvoir faire un joli joint mastic sur mes bandes solins. Donc vous voyez que j'ai déjà préparé mes pinces à la plieuse. Comme ça évite de faire des espèces de queues de cochon dégueulasses là. Voilà, donc j'ai mes deux couloirs. Poum. J'ai mes petits accessoires, donc j'ai préparé mes coquilles. Mes coquilles, donc c'est un développé de 25,5 à vérifier sur place. Bon, j'ai fait mes petites pinces. Voilà. J'ai mes 4 goussets d'angle. Donc voilà, il y en a deux qui font 17 de haut pour le relevé de cheminée et deux qui sont un peu plus grands que 17 qui iront devant, comme ça on pourra rabattre une patte pour maintenir le couloir. Mes petits guingans et là j'ai mes petites bandes porte solin mastic que j'ai pré-percé. Voilà. Donc moi je fais toujours une pince en haut de ma bande solin mastic pour avoir une finition et pour voir lisser le joint sans me couper le doigt et avoir une arête vraiment belle et droite. Voilà, donc j'ai mes deux bandes solin de couloir et ma bande solin de devant et derrière cheminée. Hop.